À tous les coups que je couche avec une escorte dans une chambre de motel, pis qu'elle me suce les côtes. Le lendemain, tout nouvelle, on appelle une autre pute qui est morte. Pis c'est elle qui m'a sucé le côte. À chaque coup, c'est tout le temps l'hostie d'escorte. L'hostie plot qui m'a sucé le côte. Là, je me réveille dans ma chambre de motel. Y'a du sang partout, c'est vraiment le bordel. Je suis couché à côté d'une femme qui porte des grandes jartelles. Elle a plus sa tête, mais elle est encore belle. Je regarde ma montre, je me rends compte qu'il est 1050 sur un soir. Faut que je redonne les clés de la chambre avant une heure. Là, il y a du sang partout dans la chambre, sur un tueur. Asti, tabarnak, je capote, tabarnak. Je capote, j'aurai jamais le temps dans 10 minutes de tout ramasser le sang et cacher le corps de l'autre esti pute. Je me lève du lit puis je crie zut. Je me rends compte que je porte la mini-jupe décollière que porte hier l'autre esti pute. Je pogne les nerfs, je me dis calisse, je comprends pas pour cacher pas une tapette. Je rentre dans la chambre de bain puis je vois la tête de la fille qui flotte dans la toilette. J'entends, es-tu correct? C'est le gars qui cogne à la porte, oh fuck, là je capote, c'est le gars de la réception. Il va capoter en tabarnak, mais qui voit que son lit détaché de sang. Il y a du sang partout en dedans. Écoute, il doit en avoir un bain dans le miroir. Chez un petit coup, il y a du sang partout dans le baignoir. Le gars dit, j'ai une chambre non fumeur. Hostie, crackpot, je te l'avais dit, ça sent le pot, pis la clope. Je te l'avais dit, juste avant que t'arrives pour louer la chambre hier. Si, sentais la bière, je savais que t'avais pas dû louer cette chambre-là hier. C'est écrit non-fumeur. Le gars loué, il s'est douté que je louais la chambre à un tueur. Le mec qui ouvre la porte, il va sûrement rester figé en état de stupeur. Parce qu'il va voir que du sang partout. Écoute, avant, tes draps étaient blancs, mais ils puent maintenant.